Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je suis avec quelqu'un de grand, un instrument puissant dans la main de Dieu. Et je souhaite, un instant, je suis en direct. Je souhaiterais que chacun de vous, fils de prophète, puisse me dire en commentaire avec qui je suis. La personne est juste là à côté de moi, assise à ma gauche. Et nous avons quelque chose à partager avec toi, avec ta famille, ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en quelques minutes. La personne est juste à côté de moi. Et avant de présenter la personne, je suis très ahuri, très sidéré, très étonné, hurluberlué. Je suis même éberlué, abêti, et j'ai même failli être abruti par une prophétie que j'ai donnée, ça fait 2 jours aujourd'hui, sur une jeune dame où je demandais « Ton mari est où ?»« Ton mari est où ?» Et elle disait « J'ai pas de mari, je suis pas marié. » Une vidéo qui a fait 2 millions de vues en 2 jours. Plus de 2 millions de vues, parce qu'on a environ 2 200 000 vues en 2 jours. Alors voilà, je pense qu'on reviendra là-dessus. Et parfois, Dieu prend des choses simples pour en faire des choses très importantes. Je m'attendais parce qu'une prophétie comme celle-là puisse faire le tour du monde jusqu'à ce point. Et en 2 jours, on a eu plus de 20 000 abonnés. En 2 jours, plus de 20 000 abonnés. On va revenir sur cette vidéo. Je vais dire tout simplement merci. Merci pour la confiance, merci pour tous ceux qui viennent de s'abonner à ma page. Vous êtes 20 000 personnes à vous être abonnés en 2 jours. Ça, c'est un record extraordinaire. J'ai déjà eu des vidéos qui ont fait des millions de vues, mais celle-là, je pense, elle a eu quelque chose de particulier. Alors, bien-aimé, dites-moi en commentaire avec qui je suis. Et certaines personnes disent avec le prophète La Montagne, non. D'autres ont dit avec qui encore là. C'est qui? Je suis avec qui ce soir? Qui est prophète? Alléluia, bonsoir mon père. D'accord, bonsoir. Mais dis-moi, le pasteur qui vit sur la montagne, non? Le grand docteur Narcisse Enoka. Donnez les propositions. Je suis avec qui ce soir? Je vois docteur Enoka. Nater Siarouche a dit docteur Enoka. Qui encore? Donc vous pensez, je suis avec qui ce soir? Je suis avec qui? Dites en commentaire s'il vous plaît. Tu peux profiter pour expérimenter ton ministère prophétique, en fait. Je suis avec qui? Bonsoir, papa. I love you. Pray for me. Que Dieu vous bénisse aussi. Wow. Les gens ne veulent pas dire. Hein. Bon, ça va. On va découvrir avec qui je suis. On va découvrir la personne. Karine Dodi, docteur Enoka. On va découvrir. Je suis avec qui? Fils et fille de prophète, avec le mari de la femme. Ok, d'accord. On va découvrir ensemble avec qui je suis. Marie, acolyte du docteur Enoka Narcisse. On va découvrir ensemble, homme de Dieu. Viens t'asseoir à côté de moi ici. Avec qui je suis. Ceux qui ont dit docteur Enoka, vous avez raté. Il y en a quand même qui... Oui, qui ont trouvé. Qui ont trouvé, hein. Voilà. Donc, bien aimé, nous avons un grand culte ce dimanche 28 à Yaoundé, ici. C'est le culte familial avec consécration de famille à notre Dieu. Donc, que chaque famille puisse être préparée à se présenter devant l'Éternel. Nous apprêtons avec nos offrandes de consécration familiale et toutes les familles seront consacrées à Dieu. Un culte de délivrance, de restauration et surtout de destruction des autels sataniques qui rongent les familles. Amen. Combien de familles sont sous la malédiction? Combien de familles sont gangrénées, houspillées et mildiousées par des puissants de sorcellerie, de vampirisme, des blocages et autant de choses maléfiques dont tout ce qui t'empêche d'être à ta place, nous allons détruire cela. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche, je vais revenir sur la prophétie, sur la vision que le Seigneur m'a montrée sur le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ce sera un culte très prophétique où les mystères du prophétique seront révélés. Donc, ce n'est pas un culte qu'il faut manquer.
de ce dimanche 28 juillet, à partir de 8 heures, retrouvons-nous à la Bille. La Bille, c'est en Kouaban. Du côté d'une Kouaban, quand vous êtes au carrefour en Kouaban, demandez simplement à une voiture, si vous n'êtes pas véhiculé, de vous amener à la Bille. Et Dieu se glorifiera puissamment. Après cela, nous irons à Douala. Douala, ce sera le 30, le 31 juillet et le 1er août. Donc, mardi, mercredi et jeudi. Tous les soirs, à partir de 17 heures, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamley. Ceux qui seront dans la salle seront bénis et ceux qui seront connectés seront doublement bénis. Amen. Je répète, ceux qui seront dans la salle seront bénis et ceux qui seront connectés seront doublement bénis. Amen. Donc, nous sommes en train d'aborder une nouvelle semaine dans sa présence, dans la beauté de sa gloire et des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes seront délivrées. Amen. Et docteur Noka, certainement, tu vas dire quelque chose au peuple par rapport à ce grand culte familial que nous préparons ce dimanche 28 juillet. Nous vous attendons ce dimanche massivement et je promets qu'il y aura une onction très forte pour la délivrance des familles. Amen. Pour détruire les autels des limitations de chaque famille. Mm. Il est important que les rois de ta famille soient maintenant exposés. Amen. Et qu'ils récupèrent leur trône royal. Mm. C'est important pour nous. Mm. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous attendons massivement. C'est ce dimanche à partir de 8 heures à la Bille. Inutile de rester à la maison si vous êtes à Yaoundé. Et mettez-vous très tôt en route, même s'il pleut, peu importe le climat, nous serons de la partie et nous allons invoquer notre Dieu dont la fidélité ne manque pas de nous apporter une grâce particulière. Amen. Et pendant que tu te décides et tu te résous à arriver, je vois la main de Dieu se déposer sur toi. À partir de cette nuit même, la grâce du Seigneur va se manifester dans votre maison. Amen. Afin que la gloire de Dieu soit intense et immense pour le reste de votre vie, des années, des générations, des descendances et des descendances. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour les populations de Douala, nous arrivons. Nous arrivons. Nous arrivons. Alors, il faut dire que tous ceux qui sont malades, vous souffrez d'une maladie physique, vous êtes invités, vous êtes du côté de Yaoundé, ne manquez pas, prenez votre taxi pour Carrefour Kouaban. Vous êtes Carrefour Kouaban, renseignez-vous là-bas et vous partez, c'est sur la route de l'Est en sortant de Kouaban. Mmh. Vous demandez qu'on vous amène à la Bille, à Réma. Vous verrez ce que le Seigneur fera dans votre vie. Bien aimé, nous ne servons pas un homme, nous servons Dieu. Je suis parfois étonné comment les gens n'arrivent pas à comprendre que vous soyez avec une personne que vous ne connaissez pas et vous lui racontez sa vie. Un jour, j'ai prophétisé sur une jeune dame, homme de Dieu. Oui. La jeune dame me croise un jour, elle me demande, elle me dit, prophète, j'étais dans votre église. Mais quand vous avez commencé à parler de ma vie, j'étais dépassé, j'étais choqué. Mm. Je suis rentré, je ne savais pas où j'étais. Et elle me demande, vous faites comment? Mm. Comment c'est possible? Mm. Elle me dit, je voyais ça souvent à la télé. Mais je suis venu dans votre église, vous m'avez localisé. Vous avez parlé de ma vie, la mauvaise vie que je menais, mm. les gens avec qui je marchais. Vous avez donné les noms de plusieurs de mes amis. Et elle dit, j'étais dépassé, j'étais ahuri. Et je lui ai dit que maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu est le même, Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Elle a dit, oui, je crois. Amen. Comment ne pas croire, prophète? Comment pas croire? Voilà comment Dieu a mené cette jeune femme à croire et à se détourner de sa mauvaise vie. Mm. Donc, le prophétique est réel. Amen. Ce dimanche, je donne rendez-vous non seulement à tous les Camerounais, à tous les Africains, à tous ceux de la diaspora, oui. mais surtout à tous les Français, les Américains, Américains, à tous les Américains, oui. parce que ce dimanche, je vais parler du mystère du prophétique. On va revenir sur cela. J'ai donné une prophétie sur le président Joe Biden. On a donné une prophétie et cette prophétie a été un sujet de grande polémique. Beaucoup de personnes m'ont insulté, ont dit, raconté n'importe quoi. Et je pense que demain, pendant le culte, on reviendra là-dessus. Et tous les Burkinabés, s'il vous plaît, si vous connaissez un Burkinabé, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Taguez-le, envoyez-lui cette vidéo. Vous saurez ce qui va se passer au Burkina Faso demain, ce dimanche. 28 juillet, à partir de 8 heures. Lorsque je viendrai, je parlerai des choses que l'Éternel m'a montrées sur le Burkina Faso et sur le président révolutionnaire Ibrahim Traoré. Donc, tous les Burkinabés, s'il vous plaît, soyez connectés. Et tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, soyez connectés. Parce que ces deux nations, on va les escortiquer prophétiquement parlant. Amen. Vous comprendrez la pensée de Dieu afin que cette génération
apprennent à craindre le nom du Dieu dont nous sommes les serviteurs. Ne sommes pas des prophètes de pacotille. On n'est pas des prophètes ludiques. Ne sommes pas des hommes de Dieu qui soient tout simplement ornementaux. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu qui manifestent sa puissance. Comme Paul disait, mon évangile et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force et de puissance. Donc, ça veut dire quoi? Nous parlons et la chose arrive. Et pour ceux qui aiment insulter les prophètes, dire que non, ce sont des montages, vous allez nous montrer demain comment est-ce que je me suis entendu avec Joe Biden, avec Kamala Harris, avec tous les démocrates, et puis vous allez justifier cela. Dans tous les cas, l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du témoignage. Passer l'annonce, dire que le prophète Kenneth Ferdinand dit que le culte de ce dimanche 28 juillet sera très dangereux. On va revenir et regarder et on va annoncer. J'annoncerai les choses qui arriveront au Burkina Faso et au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vous savez, nous ne prophétisons pas en tâtonnant. Nous parlons des choses claires. Amen. On ne tâtonne pas. Comme disait le grand philosophe Diogène Laërce, qui marchait en plein jour, plein midi, avec une lampe. Quand on lui demandait qu'est-ce que tu cherches, il dit, je cherche l'homme. Non, mes amis, ce dimanche, vous saurez qu'il y a des prophètes, des vrais prophètes dans ces nations. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore ce que c'est que le ministère prophétique. Dimanche 28 juillet, à partir de 8 heures, à la bille, soyons très nombreux, s'il vous plaît. Et vous savez que nous avons toujours nos directs à partir de 5 heures désormais. Passez l'annonce autour de vous, mais direct désormais, c'est à partir de 5 heures du matin. Et comme tu te connais, que Dieu te bénisse. Donc, dimanche à 5 heures, nous serons d'abord connectés pour prier et bénir quelques personnes avant le grand culte. Bien-aimé, tu veux savoir ce qui arrivera dans ta vie ou dans les nations? Crois qu'il y a des prophètes. Demain, tu le sauras. Que Dieu te bénisse et passe une très belle soirée. Rendez-vous demain à partir de 5 heures. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom.